official platform of the Russian House in Brussels, Europe. Наш сегодняшний вечер, посвященный одному из старейших и самых интересных музеев нашей страны, Русскому музею в Санкт-Петербурге, Государственному русскому музею, будет проходить на двух языках, на русском, с синхронным переводом на французский язык. Notre soirée d'aujourd'hui est consacrée à l'un des plus importants et plus célèbres musées d'État russe, le musée d'État de Saint-Pétersbourg, va se dérouler en deux langues, en français avec la traduction simultanée et en russe. Для тех, кто слушает нас по-русски, вы можете оставаться на той дорожке звуковой, которую вы слышите, или выбрать русский язык, щелкнув на иконке с изображением глобуса внизу справа вашего экрана. Pour ceux qui nous écoutent en français, je vous demande de cliquer sur l'icône du globe en bas à droite de votre écran pour nous suivre avec la traduction simultanée en français. Мы транслируем эту встречу на Donc, nous diffusons cette rencontre sur notre chaîne YouTube, sur notre page sur Facebook, et également le Musée russe diffuse cet événement également sur d'autres ressources virtuelles. Et il y a un enregistrement de ce tour. Donc, pour ceux qui voudraient ensuite revoir certains moments importants ou pour écouter des fragments intéressants de ce tour guidé, de cette excursion, on vous invite tous sur le site de la Maison russe à Bruxelles, sur l'adresse Bruce House. Sur le site du Musée russe à Saint-Pétersbourg, où vous pourrez voir l'enregistrement de cette visite guidée d'aujourd'hui. Maintenant, quand les détails techniques ont été expliqués, maintenant, avec un grand plaisir, je passe à notre rencontre d'aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que le Musée d'État russe, depuis longtemps, est notre partenaire et je dirais même un ami de la Musée russe à Bruxelles. On a fait un programme formidable dévoué à l'anniversaire de Pierre le Grand l'année dernière. Et cette année, en 2023, il y a des raisons non pas moins importantes. Les dates qui ne sont pas moins importantes, dont on ne peut pas vraiment oublier. C'est tout d'abord l'anniversaire de la Musée russe d'État, c'est-à-dire 125 ans depuis son ouverture. Et en plus, cette année très importante, c'est l'année anniversaire pour Saint-Pétersbourg et au mois de mai, on va célébrer le 320e anniversaire depuis le fondement de la capitale du Nord russe et une des villes les plus jolies et un des centres les plus importants de la culture, de la civilisation mondiale, dont la partie très importante est le musée d'État russe. Et maintenant, je vais passer la parole au directeur du service du musée virtuel russe, c'est Madame Maria Gladkir qui va présenter les participants de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, Maria, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Vera. Nous sommes très contents qu'on reste en contact, que nous avons la possibilité de se voir. La technologie nous laisse non pas seulement la possibilité de voir et de se voir et de s'écouter, mais également d'organiser ce genre d'événement. Cette année, nous célébrons non pas seulement l'anniversaire 25e anniversaire depuis le fondement du
le musée russe et ça fait le 20e anniversaire pour le musée russe virtuel. Donc, on peut non pas seulement visiter les salles du musée russe, non pas seulement en visitant physiquement, personnellement Saint-Pétersbourg, mais on peut également faire le tour du musée à travers les technologies et d'une manière virtuelle. Donc, la première rencontre d'aujourd'hui est dévouée au musée, au premier musée des arts appliqués russes. Et je passe la parole à ma collègue, la responsable de la plateforme virtuelle, Madame Rudenska, avec qui on va commencer cette aventure formidable. Bonjour, chers participants, je suis très contente de vous voir et le sujet de notre rencontre aujourd'hui est très solennel et dévoué au 125e anniversaire de fondement du musée russe, le premier musée russe pour le public en Russie. Aujourd'hui, on va parler de préhistoire d'Alexandre III, qui était l'inspirateur pour la création de ce musée. On va parler également de ce jour solennel. On va essayer de suivre la première route qui a été proposée aux visiteurs ce jour-là, le 7, soit le 19 mars, selon le nouveau calendrier. Donc, bien sûr, l'ouverture du musée russe à Saint-Pétersbourg est un événement très important dans la série d'ouverture des musées des arts dans toute l'Europe. Et parmi ces musées, il y avait des musées dans toutes les capitales européennes que vous pouvez maintenant voir sous l'écran. Et bien sûr, l'ouverture du musée russe pour la Russie, c'est un processus très large de l'auto-identité de la société russe dans son histoire, sa culture envers les base de son identité. Il faut dire que la deuxième moitié du siècle, les années 60, 70, 80, c'est le temps de travail de nos historiens très importants, Klutchevski, Kostovar, Afanassiev, qui collectent les contes et des histoires russes. Afanassiev prépare le dictionnaire de la langue russe, mais il faut dire que le dernier tiers du siècle, c'est également une explosion des arts russes. Et justement, pendant l'époque de l'initiateur du musée russe, c'est-à-dire l'empereur Alexandre le III, vous voyez ici son portrait alors qu'il était encore le grand-duc, le Tsarevitch, l'héritier du trône. C'était justement le personnage clé pour la création de ce musée, parce que justement, grâce à sa politique d'État dans le milieu de la culture, a causé la création du musée russe. Je voudrais vous parler un peu de sa personnalité. Depuis le tout début, il était très passionné par les arts, par la peinture, et également son épouse, la princesse Dagmar, qui a également influencé ses intérêts. Également, les communications avec le peintre Alexei Bogoliubov, qui lui donnait des cours. Également qui donnait les cours à toute la famille du grand-duc, et également ses discussions avec ce peintre et son aide a formé ses goûts dans les arts, et ce qui l'a poussé à commencer à collectionner. Vous voyez justement une des peintures du peintre Alexei Bogoliubov, qui a été l'ami de la famille du grand-duc, qui
faisait partie de la collection du palais d'Anichinkov. Et Alexandre Alexandrovitch a reçu un présent, un cadeau, un présent pour son mariage de l'empereur Alexandre II, cette peinture. Et donc, ce qui l'a poussé de créer sa propre collection. Tout d'abord, il a commencé par la collection des arts et des peintures françaises. Et après, il a inclus également les peintures russes. C'est une des photos ici sur l'écran de ces intérieurs. Vous voyez beaucoup de peintures qui sont sur les murs. Ce qui montre et prouve le fait que le grand duc était très intéressé, qui était très passionné. Il le voit cette collection comme un musée déjà. On voulait vous montrer le fait que certaines peintures font partie de la collection du musée russe. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître sur les photos, sur les anciennes photos. Et par exemple, ici, on peut voir une bibliothèque dans le palais où il y avait justement des réunions de la société historique russe et Alexandre III était un participant d'honneur. Il était toujours très intéressé dans l'histoire russe. Et maintenant, nous avons une possibilité de voir l'exposition virtuelle qui a eu lieu dans le musée russe et qui a été consacrée à Alexandre III. Vous voyez le portrait d'Alexandre III, justement dans le cabinet de Palais Anichinka. Et on peut voir certaines œuvres de sa collection qui étaient représentées dans cette salle. On peut voir une des œuvres qui, parmi ses peintures, que collectionnait le grand-duc? Il collectionnait les peintures, il était intéressé par des sujets historiques et la peinture très calme, très bien équilibrée. Vous voyez ici justement ces peintures. Maintenant, on va vous montrer comment elles sont proposées dans l'espace. Ici, on peut voir le portrait d'une fille italienne avec un béret ici en bas. On peut voir cette peinture de Keller qui a été un peintre académique. On a également cette peinture qui représente un jugement de Bronnikov. On peut voir le travail, la peinture des Boone et d'autres tableaux. Il faut dire que après qu'il est devenu l'empereur, Alexandre III a continué son activité de collectionneur. Et justement, il collectionnait les peintures modernes russes, ce qui sépare des autres empereurs russes. Et pendant son règne, les années 80-90, c'est un pic dans l'activité artistique. Il y a eu Riepin, Polenov, Surikov, tous leurs tableaux apparaissent justement dans cette époque-là. Et il faut dire que ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est le pavillon de la première exposition artistique et industrielle. Et c'est justement pendant cette exposition
a été organisé un département des arts très important qui a été visité par Alexandre III, qui est devenu déjà l'empereur. Il a été très étonné à quel niveau l'école de peinture russe a été représentée ici. Il y avait Monsieur Botkin qui l'accompagnait. C'était un activiste artistique russe, un peintre qui a participé, qui a eu beaucoup de postes dans l'Académie des arts russes, mais pour nous, il est intéressant, surtout en tant que collectionneur. Il a organisé une excursion pour l'Alexandre III et selon les messages de Monsieur Botkin, pendant cette excursion, l'empereur a dit qu'il était très étonné de voir un tel grand nombre d'œuvres des artistes russes ressembler tous dans un seul endroit. Et alors, sur quoi Monsieur Botkin a répondu qu'il serait bien d'avoir un musée séparé pour les chefs-d'œuvre russes. Sur quoi l'empereur a répondu oui, il serait bien de créer ce genre de musée. Et c'était les premières informations pour ce concernant la création de ce musée des arts nationaux russes. Et ici, vous voyez un portrait de Repin qui représente notre critique Vassili Stassov. Il a écrit un article 25 ans des arts russes où il a constaté le fait qu'il fallait justement créer un musée d'État consacré aux arts. Et il a dit que grâce à cela, la société a compris la nécessité de créer ce genre de musée d'État. C'est que été complété par la politique d'Alexandre III dans les arts. Et on va vous montrer quelques œuvres qui sont bien connues et qui font maintenant partie de la collection du musée russe et qui sont liées à l'activité de collectionneur d'Alexandre III. Et par exemple, cette œuvre a été commandée au peintre Repin alors que Alexandre a été encore le grand-duc quand il a visité Paris avec Monsieur Bogoloubov quand il est arrivé dans l'atelier de Repin et il a justement commandé cette œuvre. Et c'est à partir de la collection d'Alexandre III, il a été transféré au musée. Cette œuvre s'appelle Sadko, qui est dans un royaume aquatique qui contemple cette belle fille qui est représentée au fond de ce tableau. Le grand-duc Alexandre Alexandrovitch, le Tsarevitch, a très bien soutenu tous les peintres transformateurs qui faisaient partie d'une camaraderie de ces peintres. Et justement, il a visité l'empereur, il a visité le peintre Polenov que l'empereur connaissait très bien. Et quand l'empereur était au centre de la guerre des actions militaires russes-turques, il a justement invité le peintre Polenov. Et on peut voir ici justement sur cette peinture, l'empereur Alexandre au travail. Et justement, l'empereur a commandé une œuvre qui s'appelle « À la guerre », « Les préparations pour la guerre ». Et seulement
Quelques années plus tard, Savinsky a fini cette œuvre et c'est justement là qu'Alexandre est devenu l'empereur. Il a participé non pas seulement les expositions de l'Académie des Arts, mais également participé aux expositions de ses peintres transformateurs, là où il a, par exemple, acheté cette œuvre de Polenov, Christ est une personne vicieuse et c'est là qu'Alexandre III a pu, on dit qu'Alexandre III pouvait visiter dans une seule journée plusieurs expositions. Et là, on peut voir un œuvre très connue de la collection russe qui a été achetée par Alexandre III. Pour le musée futur. Et bien sûr que ce musée est connu par les travaux d'Ilia Repin, de Nicolas Demir, délivrant de la mort, trois condamnés innocents. Et encore le tableau qui est très populaire parmi les auditeurs et les visiteurs, c'est Repin, les Cosaques qui écrivent la lettre vers le roi de Turquie. À cette époque-là, il a collectionné les œuvres d'art des écoles différentes et il ne voulait pas qu'il existe une différence entre, ou une rivalité entre ces deux écoles. Il disait « Je vais vers les peintres ». Cela soulignait l'importance de l'art. Et on peut constater qu'une idée est venue à l'empereur de vouloir unir des écoles différentes dans l'art russe et de le faire au niveau du musée national russe, au niveau de l'art national. Et ici, vous voyez encore un tableau reconnu qui fait partie de notre collection. C'est le travail d'Ivan Chichkin, « Les chaînes ». Il est à dire que malheureusement, Alexandre III ne pouvait pas, pendant sa vie, de réaliser ce projet de sa vie. Et le décret de l'établissement du musée national était réalisé par l'empereur Nicolas II, par son fils. D'après ce décret qui est apparu en 1895, le musée devait devenir un musée comme un monument à la mémoire de l'empereur russe et d'inclure des différents départements consacrés à sa vie et à la mémoire, d'inclure les collections qui puissent montrer toute une culture de la Russie. Et encore, il fallait inclure une section artistique. Vous voyez ici des documents datés 1895, là où nous avons l'information sur les idées majeures de l'établissement de ce musée. C'est la création et le concept du futur musée étaient passés vers le bâtiment du palais Mikhailovski. C'était un monument architectural qui était construit par l'architecte Carlo Rossi, le style du grand classicisme, l'établissement et le bâtiment très solennel. Quand même, ce bâtiment était construit pour Mikhail Pavlovitch, le fils cadet de l'empereur Paul, dont c'est après la mort de son épouse, de Elena Pavlovna, possédait ses enfants. Et après la mort de Ekaterina Mikhailovna, les derniers possesseurs étaient les princes de Mecklembourg-Strelitzky.
On disait que Alexandre III voulait acheter ce palais par le trésor et on a pu réaliser ce pas quand le musée était installé. La famille des grands-ducs y vivait, donc il fallait reconstruire tous les espaces de l'intérieur vers les buts du musée. On a pu réaliser cette idée grâce à l'architecte. On a fait le concours fermé au sein de l'Académie des arts. Et cette compétition était gagnée par l'architecte Sivinine. On comparait cet architecte avec Lomonossov, mais au niveau de l'architecture, parce qu'il venait de la province russe. Et avant de commencer ses études à l'Académie des arts, il a travaillé beaucoup. Il a passé toutes ses étapes de vie. Et puis, il est devenu l'architecte très talentueux. Donc, il a su faire beaucoup de choses pour reconstruire le palais Mikhailovski. Et maintenant, on va vous montrer les images où vous pouvez voir l'exposition moderne et l'exposition de l'époque au début. Donc, vous pouvez imaginer quelle était l'étape initiale pour l'architecte. Il fallait de tout refaire vers les fins du musée, pour les objectifs du musée. Beaucoup de travaux d'ingénierie étaient réalisés. Les parties de bois très vieilles étaient refaites et grâce au développement de la technique de l'ingénierie, on a pu changer des parties vers les parties métalliques. On a élargi des fenêtres, on a changé des parties de bois en parties métalliques. Ici, vous voyez une image avec l'exposition, avec toutes ces reconstructions. Et cette exposition était ouverte pour l'ouverture de 1798. Et bien sûr que pour pouvoir tout reconstruire, il fallait avoir beaucoup de lumière. Les fenêtres donc étaient élargies et Svinine a fait des sortes de feux, des campaniles pour éclairer. Et vous voyez les salles les plus grandes de l'Académie, c'est une de ces salles avec cette lampe, cette lanterne. Et les grands gens de l'époque disaient que donc on peut voir avec cette lumière mieux les tableaux. Bien sûr, il y avait des critiques. Il est à dire, et je voudrais vous parler de ce que l'ancienne fille de l'architecte disait. C'était Benoît qui a dit que Rossi a souffert de Svinine. Et donc, il y avait des réponses par Brulov qui disait que Rossi n'a pas souffert de Svinine, mais il a souffert de la commission spéciale et vous faisiez part de cette commission spéciale. Et cette commission a fait le décret de rendre ce palais un musée. Mais en tout cas, il y a beaucoup de palais à Saint-Pétersbourg, mais il y a un seul musée national. Et donc, le travail de Svinine a reçu beaucoup d'éloges, une grande récompense des collègues et de la cour. D'après les décrets de Nicolas II, vous voyez que c'est le musée national, le musée d'État, et donc la parole de l'empereur est très importante, parce qu'il était une sorte de personne très, très importante.
Et puis le grand-fils de Nicolas II était devenu grand administrateur du musée. Comme tous les Romanov, comme tous les grands-ducs, il avait une carrière militaire, mais on parlait qu'il aimait toujours des choses liées à l'art. Il collectionnait des pièces. Et Nicolas II, en lui choisissant comme administrateur, connaissait tous ces détails. Une grande importance pour créer les structures, les collections du musée. Ce décret était comme document majeur. Vous pouvez le voir sur le diapo. Il s'agit du fait que ce musée est consacré à l'activité d'Alexandre III, dont l'objectif est d'unir tout ce qui correspond à l'art russe et à la culture russe. Ce musée devait rassembler trois sections. La section la plus importante est la section d'art, puis ethnographique, et puis la section commémorative pour commémorer l'activité d'Alexandre III. Le musée est administré par l'administrateur Auguste. Vous voyez l'image de Georgi qui est au centre. Et donc, le musée se trouve sujetti à la cour impériale, dirigé par l'Académie des arts. Puis on dénomine le personnel. Il y a des conservateurs et on va déchiffrer cette photo-là. Ici, vous voyez au centre Georgi Mikhailovich, à gauche, et c'est Mikhail Pavlovich Botkin, c'est à cheveux blancs et un collectionneur renommé. Et à droite, l'architecte Svinin, dont on a déjà parlé, et qui est debout. À gauche, c'est Alexandre Alexandrovitch Tverchev, c'est le secrétaire et le conservateur de la section commémorative d'Alexandre III. Puis au centre, c'est Alexandre Benoît, qui était premier conservateur de la section des arts. Et ici, c'est Pavel Brulov, premier conservateur de la section artistique, et dont le nom de famille, vous connaissez très bien, parce qu'il était... Il était neveu de Karl Brulov. Voilà, l'objectif de ce conseil était de créer les collections. D'après ce décret, il y avait même des inscriptions dans le livre de registre qu'on conserve ici au musée russe. Le numéro 1 était ce tableau qu'on vous montre par un peintre mariniste Ivan Ivozovski. Et qui est intitulé « L'orage près du Rokaya ». Les collections étaient réalisées ainsi. D'abord, les collections venaient de l'Ermitage, des collections différentes, des palais royaux. Et encore, un rôle principal pour créer les collections, c'était les dons des collectionneurs. Donc, une grande partie des portraits des personnes historiques venaient des dons de prince Alexei Lobanov-Rostovski. Ici, vous voyez le tableau de Pierre le Grand dans la bataille de Poltava, venait encore de la collection du prince Lobanov-Rostovski. Et ce tableau, vous la voyez déjà dans notre cycle consacré à Pierre le Grand. Puis, c'est la collection du prince Gagarine qui a mis sa grande contribution dans la future collection du musée. Et encore,
collection de d'une dame, d'une princesse Tinsheva qui était une mécénat. Ses collections qu'elle a données au musée russe, c'était plutôt les collections de graphiques et des aquarelles. La conservateur de ces collections, c'était Alexandre Benoît, que vous pouvez voir ici à droite. Et lui, il parle, il peut-être fait des discussions autour des questions d'affaires. Et il se trouve dans la salle là où la collection de Tinisheva se trouvait. Ces collections étaient très diverses en tant que la composition. Une partie venait des origines différentes qui incluaient les travaux des grands maîtres, anciens maîtres. Mais la plupart de sa collection étaient les travaux contemporains qu'elle a achetés pendant les expositions de la communauté des marinistes. Ici, vous voyez le portrait de Bax, c'est très connu. Là, vous voyez le conservateur de cette collection de Tinisheva, Alexandre Benoît. Il était participant de ces événements et il a très bien décrit ce qui se passait au musée russe avant l'inauguration. Il a dit qu'il a vu même sur le plancher les planches de bois. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de peinture qui était sur le plancher. Mais vers le 7 mars, le style ancien, et 18 mars, le style contemporain, tout était prêt. En parlant de la collection de Tinisheva, nous pouvons dire qu'il y avait beaucoup de tableaux, d'œuvres d'art qui font partie de notre collection. Vous voyez une toute petite aquarelle par Karl Brulov, peintre éminent. Et au fond, nous voyons déjà, ce sont des cartons de Nesterov, un peintre qui les a faits pour les mosaïques de la cathédrale Saint-Sauveur sur le Sein. Ces travaux étaient montrés en couleur pour que vous puissiez avoir une idée. Comme j'ai déjà dit, quelques jours avant le jour solennel, il y avait une répétition. Et donc, c'est une chose très, très moderne parce qu'on fait les préparations et les répétitions des grands événements. Et Madame Tinisheva a voulu faire part de ces événements. Vous pouvez voir son portrait par Alexandre Sokolov, un peintre des aquarelles. Et elle, avec Alexandre Benoît, attendait l'apparition du tsar. Elle a donné des fleurs au tsar et elle a donné quelques explications en ce qui concernait sa collection. Et il est à souligner que sa collection a fait une base de la collection du musée russe. Et maintenant, on passe à l'inauguration. L'inauguration qui se passait ce jour de mars, et vous voyez l'image, une illustration du magasin, et dans l'escalier du palais Mikhalovski, se ressemblait, vous voyez Nicolas II, l'impératrice Maria Fyodorovna, et encore, nous voyons le buste d'Alexandre III avec une plaquette qui disait que c'est un musée russe par l'empereur Alexandre III qui est ouvert au public en 1898. Il est à noter que on avait l'information conservée dans les médias, dans la presse. L'empereur est venu au palais
il a passé tous les 37 salles des expositions. Il a visité ces salles avec son entourage. Cette photo a été faite dans la salle blanche. Et les médias de l'époque disaient que ce choix du musée était vraiment très bon parce qu'il fallait choisir l'endroit pour ce musée dans la capitale. Помимо императора и его свита, военные все должны были быть. Donc tous les militaires devaient être en uniforme avec les rubans et tout le reste du public doit être bien habillé pour l'occasion. Et les peintres ont été également invités pour cette ouverture, dont les œuvres faisaient partie de la collection du musée russe. Et c'est une ancienne photo de ce jour-là où on veut parmi les participants Georgi Pavlovitch, qui était le responsable du musée. On peut voir le peintre Shishkin aux cheveux blancs. Il faut dire que c'était presque le dernier jour de sa vie parce que le jour suivant, il est décédé. Ensuite, également, on peut voir M. Botkin qui a fait beaucoup de choses pour l'organisation du musée. Également, on peut voir à côté de lui M. Vax. On a également vu ses travaux. En haut, on peut voir l'architecte Leontine Nikolaevich Benoît, qui a également participé dans ces actions-là. À droite, on peut voir le peintre Kunji, et à côté de lui, nous voyons le premier gardien de musée, Pavel Brilov. Et derrière, on peut voir une des peintures de Brilov. Donc, c'était l'ouverture du musée. Et il faut dire que après, le musée était ouvert pour le public et dans les salles du musée, comme aujourd'hui, il y a eu des gardiens. Et devant vous, vous voyez la photo. C'est une photo officielle où les gardiens sont habillés dans l'uniforme d'été. Parce qu'il y avait une uniforme qui a été adoptée au niveau très élevé pour ce musée. Donc, cet uniforme est l'uniforme d'été. Nous avons également une photo avec les gardiens dans l'uniforme d'hiver. Le musée est ouvert tous les jours sauf lundi. Donc, c'était il y a 25 ans. Pendant l'hiver, il était ouvert de 10h à 15h. Et pendant l'été, il était ouvert jusqu'à 16 heures. Il y a eu les règles qui ont été publiées et les gardiens n'avaient pas le droit de parler aux visiteurs. Et après, vers la fin de l'heure de l'ouverture, il y a eu les signaux qui ont été faits. Donc, c'était une cloche, parce que les gardiens avaient une cloche pour annoncer aux visiteurs que le musée va être se prépare pour fermer ses portes. Et maintenant, je veux vous montrer le premier plan. On peut dire que c'est même le premier guide pour la première exposition du musée russe. On peut voir ici que même il y a eu des flèches pour indiquer la route. L'exposition n'a pas commencé comme elle commence aujourd'hui, mais par le premier étage. Et les flèches montrent, nous indiquent qu'il faut tourner à gauche. Et en plus, au premier étage, on peut voir que c'était le rez-de-chaussée. Il y avait des salles nécessaires, comme par exemple les toilettes pour les hommes, pour les femmes. Et on peut voir la route qu'il fallait suivre. Il fallait bien réfléchir à ce genre de route.
et c'était les travailleurs du musée qui ont préparé ce plan et la route qu'il fallait suivre. On peut voir le plan de rez-de-chaussée. On peut voir ici quelques abréviations. Par exemple, la collection des arts chrétiens anciens. Et il y a eu également un guide pour le musée russe et qui recommandait certaines routes à suivre et pour suivre les arts russes de manière chronologique. On vous propose maintenant de commencer non pas par la gauche, mais par la droite pour voir les artefacts chrétiens. C'est à cela que ressemble à la collection des artefacts chrétiens. C'est un don très important qui a été proposé par l'Académie des arts dans laquelle le musée était formé en 1856 grâce aux efforts du vice-président de l'Académie, le duc Gagarine. Et ce musée des artefacts chrétiens était très important parce que justement Gagarine voulait que tous les icônes, tous les autres œuvres liées à la religion faisaient partie de cette collection. On faisait de cette manière avec également les œuvres de Byzantie. Il y a eu beaucoup d'autres beaucoup de sous-collections. Il y a eu la collection de Pogodin, de Karavanov et également les monuments bien connus de l'église de Sofie où Gornoustaev est allé et qui a apporté beaucoup de monuments importants et connus. Il a fait des efforts pour que les œuvres de ministère des Intérieurs a été transmis dans cette collection. Et sur cette ancienne photo, vous pouvez voir une des icônes très bien connues qui fait partie de notre collection d'aujourd'hui. C'est l'icône de Gueorgui. On peut voir au centre le personnage principal, Georges, qui est également, on peut voir la vie de ce saint. Et cette icône fait partie de notre collection dans la salle numéro 2. Et l'exposition maintenant commence par le premier étage. En général, la collection des artefacts chrétiens avait 1616 icônes et beaucoup d'autres objets de liturgie, de lampes. Et c'était vraiment une très grande collection des artefacts chrétiens. Maintenant, je vous propose de monter, comme c'est indiqué, au premier étage en suivant les escaliers. On tourne à gauche et on va visiter maintenant les salles numéro 24 tout d'abord et après la salle numéro 25. La salle numéro 24. Et sur l'écran, c'est l'exposition de 1898. Et après, on va passer, grâce à notre tour virtuel, à l'exposition moderne. Et je voudrais que vous voyez vraiment qu'on peut reconnaître les chefs-d'œuvre qui font partie de notre collection, qui nous rendent
fiers de notre collection. Vous voyez la collection à droite, pardon, la peinture à droite, et également les tableaux d'Aïvazovski. Et à gauche, il y a un grand tableau de Blumova qui s'appelle l'appel de Mikhaïl pour le règne. C'était une salle ovale pour la danse et là, c'était une salle pour le théâtre. Pardon, c'est un autre angle de vue de la même salle. On peut voir d'autres peintures. C'est Flavitsky, les innocents chrétiens et Colisée, et également la peinture de Ghetto. Et à droite, la peinture d'Ivanov, l'apparition de Christ à Marie-Madeleine. Il faut dire que cette salle on va garder les peintures d'Ivanov Bruni et cette salle va avoir une très grande collection d'Ivanov qui a collectionné beaucoup d'œuvres et également la collection de Botkin. Et c'est une exposition de la salle suivante, numéro 25. On peut voir beaucoup d'œuvres très importantes. Vous pouvez reconnaître certaines des œuvres qu'on a déjà vues et qui a été collectionnée par Alexandre III. Par exemple, à droite ici, pardon, à gauche, c'est la fête de Poséidon, ou par exemple Savitsky, sa peinture tout droit sur l'écran. Et Alexandre III collectionnait également des sculptures. Il a collectionné beaucoup d'œuvres de Topolsky. Et derrière cette sculpture, il y a une peinture d'Aïvazovski qui ne faisait pas partie de la collection d'Alexandre III, mais elle faisait partie de la collection de l'Académie des arts. Et derrière, on peut avoir une peinture qui s'appelle Zaporojets, qui est les habitants de Zaporogie qui écrivent une lettre pour un sultan turc. Il y a eu beaucoup d'œuvres qui ne font pas partie de cette photo, je veux dire des œuvres de grand format. Et je vais vous parler de ces principes de mise en place de ces tableaux dont Alexandre Benoît a également parlé. Vous voyez qu'il y a et les peintures de Repin, les habitants de Zaporogie, également une peinture de Semiratsky et à la guerre de Savitsky. C'est une grande salle. Et donc, pardon, il y a un problème de connexion et le son, je veux dire. Une collection de grand format. Maintenant, tout a changé. On peut voir, grâce à ce tour virtuel, on peut faire une excursion dans une collection moderne, donc 125 ans après, et on peut voir ici l'œuvre de Brilhov, Le dernier jour de Pompéi, et on peut voir les œuvres de Brilhov autour de Pompéi. On peut voir ses portraits, par exemple les portraits de sœur Chechmarov.
ou par exemple qui dans l'ancienne collection ont été exposés séparément dans une autre salle. Ou par exemple le portrait de la duchesse Samoylov qui a été exposé dans une autre salle séparée de cette collection. Maintenant, toutes ces œuvres sont rassemblées dans une même salle. Et également, on peut voir ici le portrait d'Elena Pavlovna, la première maîtresse du palais. C'est le portrait de Brelov. Justement, elle a été l'épouse de Mikhail Pavlovitch, pour lequel ce palais de Mikhailovsky a été construit. Elle était une femme très artistique. Elle organisait des concerts. Elle était très passionnée et par la culture. Elle a fait une grande contribution dans à ce niveau. Et ici, nous avons également le tableau d'Aivazovski. C'est un très grand mariniste. On peut voir ici son tableau qui s'appelle La neuvième vague. La neuvième vague. Et maintenant, ces tableaux sont exposés dans notre salle numéro 14. Et maintenant, on va passer dans la salle numéro 15 et on peut justement ici voir des œuvres de grand format des peintres, du peintre qui représente le sujet biblique. Et qui nous montre le grand prophète qui dit qu'il ne faut pas écouter ses vices. Et ici, on peut également rapprocher le mur devant. On peut voir ici le tableau d'Alexandre Ivanovitch, l'apparition du Christ au peuple. Cette peinture est exposée dans la galerie de Tretiakovsky, mais nous avons une juste petite copie de cette même peinture qui était qui a servi pour contrôler la grande peinture au peintre. Nous savons que Alexandre Ivanovitch a beaucoup travaillé sur cette peinture et il écrivait des études, peignait les études pour chaque personnage. Et ces études ont été envoyées par Alexandre Botkin. Ils ont été reçus plus tard, non pas en 1898, mais plus tard, parce qu'il meurt et son épouse, après la Première Guerre mondiale, elle a retiré les œuvres les plus précieuses sous la condition qu'après un an, après la fin de la guerre, ils ne vont plus être demandés, donc ils vont faire partie de cette collection du musée russe. Et c'était comme ça que ces tableaux sont arrivés dans notre collection. Et vous pouvez également voir le tableau d'Alexandre Ivanov qui s'appelle L'apparition du Christ à Marie Magdeleine, qu'on a déjà vu sur la photo en noir et blanc. Et maintenant, après ces salles qu'on vient de voir dans leur préparation moderne, on va passer dans une salle dans le département très important du musée russe, c'est le département consacré à la mémoire d'Alexandre III. Et c'est ici qu'il y a eu l'ouverture solennelle du musée. Dans cette salle, on peut voir à quoi ressemblait cette salle plus en détail. C'est
la salle de colonnes blanches, soi-disant. Et pendant la création de ce département consacré à la mémoire, les murs étaient verts, avec le velours vert. Et il y avait des plateaux avec le pain et le sel pour Alexandre III. Et son épouse était là, et on peut voir le portrait en marbre de Maria Fedorovna de Topolsky, le sculpteur. Et depuis ce temps-là, cette salle a été nommée une salle de colonnes blanches. Et après la restauration qui a eu lieu plus tard, il est devenu blanc qu'on peut voir maintenant. Et encore une salle. C'est l'un des salons. La salle blanche avait une porte provenant de l'escalier. C'était l'escalier où la photo de l'empereur et de son entourage était faite. Et on peut ainsi entrer dans la section commémorative qui occupait trois salles. C'est encore une salle. Maintenant, nous avons ici les tableaux de Levitsky, de Smolenka et d'Alexandre Benoît, dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. Et il était en dîner que donc, malheureusement, pendant les premières expositions, personne ne pouvait pas voir les travaux consacrés à Smolenka et donc on ne pouvait pas mettre ces tableaux dans les collections du musée russe. Et c'est une bonne coïncidence, bien sûr. Et dans cette salle, outre les travaux de l'Antopolski au centre, nous voyons bien sûr les portraits. Les portraits de l'empereur majestueux, dont on fait mémoire par la création du musée, et son épouse Maria Fedorovna. Ces tableaux étaient faits par Kramskoy, l'un des leaders des peintres ambulants, des Peredvizhniks. C'est la salle où on exposer les tableaux liés aux événements de la vie et du règne d'Alexandre III. Maintenant, on peut voir ces portraits en détail faits par Kramskoy. L'addition de cette section commémorative a vu des difficultés parce qu'il fallait investir. Mais en tout cas, on a continué cette activité. Encore une photo intéressante à notre récit. Ici, au fond, vous voyez le palais Mikhailovski avec 37 salles et quelques-unes ont déjà vu. Au centre, c'est l'architecte Svinin qui était auteur de la reconstruction du palais vers le musée. Et ici, c'est la photo de la posée d'un nouveau musée. C'est le musée de l'ethnographie. Et à l'époque, sur cette photo, c'était la mise des sections commémoratives et du musée ethnographique. Il est à dire que l'idée initiale était de faire en sorte que le musée russe inclue la section commémorative ensemble des beaux-arts, des arts figuratifs et inclure la collection ethnographique. Il y avait encore le personnel avec les scientifiques de l'université. Ces collections ethnographiques devaient représenter toute une diversité culturelle de la Russie. C'était donc l'objectif majeur depuis la création du Musée national des beaux-arts russes. Et dans la salle centrale du musée ethnographique, il fallait
avoir une section commémorative, une section de mémoire qui existe déjà. Et ce département rassemble beaucoup, d'après son apparence, à l'hôtel. Et donc, c'est l'idée qui se répète que ce musée, c'est le monument pour commémorer Alexandre III. Et on arrive très proche à la conclusion, il est à dire qu'après ces travaux qui se finissaient, dans le musée, on a imprimé les catalogues, les index abrégés est apparu, incluant les collections artistiques. Maintenant, vous voyez sur les diapos, la section commémorative, c'est la salle blanche. Et vous vous souvenez que ces murs étaient couverts du velours vert, avec ces plateaux suspendus. Mais maintenant, dans les années 70 du XXe siècle, les restaurations ont été réalisées. On a pu reconstruire l'apparence pensée ou envisagée par Roussy au début du XIXe siècle. Donc, c'est l'intérieur très unique du classicisme russe. Et puis, on peut aller plus loin dans la salle suivante qui a des portraits d'Alexandre III, de Maria Fedorovna. Vous voyez que l'apparence a changé un tout petit peu après la reconstruction, mais quand même, la décoration reste les mêmes, les bas-reliefs aussi. Et la fierté de notre collection, ce sont les portraits de Levitsky, de Smolenka, qui manquaient dans les premières collections, mais maintenant, ils font partie pour les spectateurs d'aujourd'hui. Ici, vous voyez le portrait de Catherine II, fait par Levitsky comme conservatrice de justice. Et Smolenka, pourquoi on appelle les tableaux en sorte? On parle ici de l'Institut Smolny et les filles faisaient leurs études à cet institut. Et ici, une jeune fille de l'âge plus aîné, de la fin des études, c'était la première institution pour les femmes construite par Catherine II. Et il y avait des études sur la musique, les danses, les langues étrangères, les lois de physique et autres. Je voudrais ajouter encore quelques mots sur la première collection. Pendant ces 3 ans, beaucoup de travaux étaient réalisés. Les spectateurs ont pu acheter maintenant un tour abrégé avec l'indication de ce qui se trouvait dans les salles. Et ce kiosque se trouvait dans la dernière salle. Ce tour coûtait 10 kopecks. Et ici, vous voyez le catalogue de la section artistique du musée russe qui est apparu en 1899. Avec l'indication des œuvres d'art majeures. Il est à dire que l'entrée dans le musée était gratuite. Beaucoup de peintres venaient dans le musée pour faire des copies des tableaux. Et donc, une décision a été prise que, comme l'entrée était gratuite dans le musée, il y avait encore un kiosque et il fallait vendre des copies des travaux et des tableaux les plus connus.
Je voudrais ajouter que pendant la première année de son existence du musée russe, il y avait plus de 119 000 visiteurs. Moi, j'ai préparé quelque part cette information, donc cela montre que ce musée était vraiment très populaire, il y avait beaucoup de visiteurs, c'est l'escalier, le grand escalier ou l'escalier de parade. Le nombre des visiteurs, d'après le rapport du musée russe, et les rapports apparaissaient depuis l'année de création, le nombre de visiteurs était 119 129 visiteurs. C'est vraiment, c'est un grand chiffre qui montre que, qu'il y avait un grand intérêt envers l'art national russe des habitants de Saint-Pétersbourg ainsi que des gens qui visitaient Saint-Pétersbourg avec les excursions. Ici, la zone d'entrée qui était changée, qui changeait l'apparence de cette zone de parade, qui était restaurée, comme j'ai déjà dit. Et le palais était dans un état, je dirais, très, très vieux, et il fallait le restaurer. C'était vraiment vétuste. Et ce grand escalier est nommé l'un des escaliers les plus beaux dans les intérieurs de classicisme. Cet escalier, c'est le chemin vers le musée et pour le 19e siècle, une idée existait que le musée était presque comme une cathédrale. C'était donc le chemin vers le temple, vers les connaissances. Et donc, l'établissement du Musée national et étatique russe, c'était la reconnaissance de l'École nationale artistique russe, de l'École de peinture russe. Et c'est le processus très logique de la prise de conscience de la société russe qui se terminait finalement par la création du musée à Saint-Pétersbourg. Et donc, cet escalier, c'est encore une fois qu'on vous la montre. Vous vous souvenez de l'image du magasin mondial avec l'image de Nicolas II, avec Maria Fedorovna, avec les grands princes et son entourage, l'entourage impérial, tous ceux qui assistaient à l'inauguration. Et maintenant, les visiteurs montent cet escalier vers le deuxième étage pour voir l'exposition principale. Le principe de l'organisation est chronologique et on entre dans les salles de l'art ancien russe. C'est l'image du musée de notre temps. Ses portes sont ouvertes. Le musée vous invite. Il est encourageant qu'on a pu faire ce tour en ligne, faire cette promenade en ligne pour voir les expositions du musée russe. Et on peut le faire et le visiter depuis tous les coins du monde. Et maintenant que vous pouvez le voir et de voir après sa création. Chers amis, on espère que vous avez apprécié ce petit voyage, cette rétrospective. On a pu faire la promenade autour des salles du musée. On a pu voir comment le musée était à l'époque de l'Empire. Et l'art russe
a obtenu sa maison. Nous sommes très ravis de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez appris comment ce musée a été créé, quelle était la première exposition. Et notre futur seront consacrés à l'exposition permanente qui représente l'histoire du développement de l'art figuratif russe, qui sera présentée par l'expert du musée russe, le chef du département d'excursion. Donc, il y aura deux séances de cette sorte et on va prendre en détail les peintres de légende qui sont très connus en Russie. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que le musée d'État russe, c'est le plus grand musée russe qui accumule et rassemble des œuvres d'art russe dans le monde. Et dans cette année d'anniversaire pour le musée russe ainsi que pour sa partie virtuelle, on vous... Vous étiez les premiers, on voudrait célébrer. Vous étiez les premiers en tant que les musées virtuels. Et grâce à ces hautes technologies, nous pouvons le faire depuis tous les coins du monde, mais le plus important, qu'on se trouve ici à Bruxelles, en Belgique, et on peut se promener autour des salles majestueuses de votre musée et de faire connaissance à ces œuvres d'art. Donc, on vous félicite. Je voudrais vous rappeler que notre rencontre d'aujourd'hui entame le cycle des trois visites virtuelles. Et Maria l'a dit déjà. La rencontre suivante aura lieu en juin. On vous invite tous qui fait connaissance au musée russe et aux collections du musée russe. Et troisième visite se déroulera en automne, en octobre peut-être, mais on va annoncer les dates au préalable parce que c'est un grand musée et il y a des grandes collections et on voudrait avoir le plaisir de vous montrer toutes ces collections et toutes ces œuvres d'art tranquillement. Et on voudra vous présenter toutes les collections qui sont conservées au musée russe de Saint-Pétersbourg. Merci, chère Vera. Et si les visiteurs sont intéressés, on vous invite au site web du musée russe virtuel avec les collections permanentes et avec les collections temporaires, ainsi que le récit détaillé des collections présentées. Y inclure les chefs-d'œuvre qui puissent vous montrer l'histoire du développement de l'art russe. Là, vous pourrez voir les expositions et écouter les présentations audio et vidéo. Et je pense qu'avant juin, vous allez assez de temps pour le voir. Rejoignez-nous. Presque chaque semaine, nous sommes en ligne. Les experts du musée racontent des détails sur les expositions, sur les collections, sur les tendances contemporaines de l'art dans le pays ainsi que dans le monde. On serait ravis de vous voir rejoindre. Nous avons un commentaire des spectateurs et ils vous disent merci, ils vous remercient en russe et en français. Et je pense que vous voyez ces commentaires, les gens disent que c'est formidable, ils disent merci beaucoup de ce tour historique pour ce musée qui est très beau. Et il y a une question, et je vous l'adresse, et peut-être que vous ne pouvez pas donner la réponse de suite parce que le participant de notre rencontre a demandé. Et il y a encore quelqu'un qui a monté la main, mais on ne dit pas au revoir, il y a une question.
dans une des salles que vous avez montrées de musée avec les statues au milieu. Cette salle se rappelle à la grandeur du musée de Wertz à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une sorte de une correspondance? Est-ce qu'il y a des analogies entre ces deux musées? Parce que même les banquettes pour les visiteurs font l'écho. Je ne sais pas si on peut répondre de suite, soit on peut attendre un tout petit peu. Ah, on ne vous entend pas. Cette question est très importante, très intéressante et je peux répondre ainsi. J'ai commencé ma conférence par l'information que les musées des Beaux-Arts se créaient partout en Europe. Et même ce musée à Bruxelles était inspiré, et Svinin, comme architecte de musée russe, qui était représentant de l'école architecturale russe, ils étudiaient comment construire des musées. Музейные здания же образовывались в последние треть XIXe века под Ils voulaient savoir comment construire un bâtiment pour un musée. Maintenant, je n'ai pas d'informations si Svinin avait vu cette salle-là, mais je pense que c'était dans le milieu des architectes de suivre ce design-là pour les salles de musée. Merci. Nous avons encore une personne qui a levé sa main. Donc, si vous êtes avec nous, vous pouvez poser votre question. Mais vous avez votre micro qui est coupé, donc il faut l'activer. Peut-être cette personne a posé sa question par écrit. Et on vient de répondre à cette question. Merci beaucoup, Marie-Victorovna. C'est Madame Marie-Victorovna Rudenskaya qui était le guide pour notre musée russe. Et également, on remercie Maria Gladkir qui est le responsable du projet Musée russe virtuel. Je voudrais vous souhaiter à tous de la santé, de la chance. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Ou vous pouvez également contacter directement le musée russe et je pense que nos collègues vont répondre avec plaisir à vos questions. N'oubliez pas que nous aurons beaucoup de choses intéressantes en juin et pendant d'autres musées virtuels ou musées virtuels russes. Prenez soin de vous et au revoir.